Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Lator, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui la sortie tant attendue de Modern Warfare 3, ou en tout cas la bêta, l'accès anticipé vu que le jeu sort le 10 novembre, l'accès anticipé à Call of Duty Modern Warfare 3 2023. La campagne est sortie, il y a une mouche, il y a une moustique qui s'est calée là, ok. Voilà, comme vous voyez là, je suis sur le jeu, je ne suis pas sur Modern Warfare 2, là je suis sur Modern Warfare 3, une autre application. Comme la dernière fois où on a lancé le multijoueur, sauf que cette fois-ci là on a l'accès à la campagne, donc j'espère que c'est pas qu'une seule mission, je pense à toute la campagne. Si c'est le cas, on a les vidéos déjà prévues. Je continue le let's play Modern Warfare 2, ne vous en faites pas, voire même je pense que je le sortirai avant la fin. Il y aura des vidéos Modern Warfare 2 juste avant ou juste après, ça dépendra, qui dureront genre une heure ou un peu plus, parce que il est vrai que ça prend vraiment de temps, il reste genre 3-4 missions, même pas, ça prend du temps. Re les gars, du coup, le préchargement est terminé. On va pouvoir commencer Call of Duty Modern Warfare 3, la campagne en tout cas. Donc, on a ça là, qui s'affiche. Opération 627, c'est le nom de la première mission. L'équipe Alpha infiltre un goulag russe en pleine nuit. Opérateur, donc là on joue Alpha 2-1. Récompense d'achèvement. Ah, c'est bien, on a des récompenses à chaque fois. Mais là, c'est mieux montré. Récompense d'achèvement, on gagne une carte visite en année. Une carte de visite. Donc, opération, c'est parti. On va en. Je l'ai déjà commencé parce qu'au début, l'enregistrement a foiré. Et j'ai juste vu la première cinématique, c'est tout. Donc, on lance en commando. Comme le dernier Call of Duty. C'est parti. Modern Warfare 3. C'est parti les gars, j'ai 30. Équipe Alpha, opération 127. Ça se déroule le 10 novembre 2023. Donc ça se déroule vraiment là maintenant, 10 novembre 2023. Même dans le futur ça se déroule. Normalement c'est la sortie du jeu, donc c'est censé être le futur. C'est très stylé. On a un sacré complète là. Ok, c'est parti, on joue. Oh là, je suis en train de jouer. Se mettre en position. Envoyez les crapins. Hop. On envoie. Joli lancé. Allez, on monte. Donc, on est Alpha 2-1. Je sais pas qui c'est. Je sais pas de quelle équipe s'agit. Je sais pas. Non, pas. Première mission d'infiltration, c'est excellent. On avait eu cette mission qui avait leak, je me rappelle. Je la connais du coup, la mission forcément. Quelle est la situation? Attendez, juste un truc, je vais régler la sensibilité que je ne peux pas régler directement sur la souris parce que le bouton est un peu cassé. Ça suffira, hein, je pense. Bravo, et toi, tu es de la zone de. Oh, un peu trop. 15. Parachutage. C'est parfait. Vision nocturne activée. Lumière infrarouge allumée. Oh, vision nocturne. Bravo, on approche. Bien reçu. On bouge.
C'est vraiment bien de jouer à Call of Duty sur clavier souris parce que le Let's Play je l'avais fait sur PlayStation. Oh. Bravo, on approche. Let's go. En tout cas, du coup, le jeu est beaucoup plus beau. Votre Let's Play sera beaucoup plus beau. Si jamais l'enregistrement est pas très mauvaise qualité, le jeu sera très très beau. Bravo est en place, en avant. Alpha pour Charlie, vous êtes prêts? Affirmatif. À toutes les équipes, vous pouvez lancer la phase 2. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Phase 2 du plan. Bravo de. Je sais qui ça. Est-ce que c'est comme la Shadow Company qu'on avait avant? Je sais pas. On va voir ça. Oh. Attends, moi. Oh, en tout cas, l'effet de la pluie, l'effet sonore est très réaliste. La pluie, oh. On dirait la voix de Ghost, c'est un peu. Non, c'est Ivan. C'est dégagé. Je le connais pas. Autant c'est les meilleurs. Autant on joue les méchants de jeu. Les escaliers, hein. Côté sud. On a plus fort. Ah, d'accord. À toutes les unités, faites attention. L'ennemi active un hélicoptère d'attaque. Reçu, on fera gaffe. Vision nocturne éteinte. Du mouvement dans la cour. Waouh, c'est vraiment très beau. C'est pas notre homme. Suivez-moi. On a vu Charlie. Si on fonce vers la trappe dans la cour pour entrer à l'intérieur. Attendez là. À toutes les équipes, Alpha est en position. Ah, ça fait voir. Ah bah voilà, je crois qu'on a perdu déjà la première. Attention à l'explosion. Oh putain, on peut être non, ok. Oh mais c'est très rattrapable ce campagne. Là. Pourquoi c'est si satisfaisant de tuer quelqu'un dans. Enfin de tuer. D'éliminer un ennemi de la campagne dans. 2-1, je crois qu'il avait dit Ghost. 2-1, ok. Donc finalement, voilà, c'est très rattrapable le jeu. Genre, je fais une erreur et c'est pas très punitif. Oula, on se fait mitrailler. Oh, les genoux. Bravo, Alpha est dans le tunnel. Pas comme des amarres. D'accord. Dans la salle de contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon enregistrement s'est arrêté par un bug. Il y a eu un bug. Attendez. C'est bon. Je reprends, il y a eu un énorme bug, désolé, je suis vraiment désolé. C'est vraiment pas de ma faute là pour le coup aussi. Donc faut aller là. Personne. Ouvrir. À toutes les équipes, c'est l'heure de faire du bruit. Bravo. Ah, allez, c'est parti. Waouh, wow, tout ça c'est les ennemis genre. Vision nocturne. C'est très stylé. À toutes les équipes, bravo à les clés. Reçu. Ne visez que les gardes. Oh là. Utilisez les prisonniers pour vous couvrir quand les meutes aura débuté. Reçu. Garde unique. Dégagez. J'en vois d'autres dans les blocs à gauche. Butez-les. Attendez. Éliminez les gardes aux lampes torches. Reçu. Ouverture des blocs. Un garde. Dégagez. Oula. Vérifiez le bloc suivant. Oh, c'est la prison. C'est pour ça qu'il y a du bruit. Ah, ils voyaient rien, du coup ils sont éliminés dans le noir. Ah. Bon, j'ai eu. Hein. Ah, il y a moi qui... Oh là là. Il en manque. Attendez, je veux régène. Allez, régène toi. C'est bon. Bien joué. Ok. On s'occupe que du personnel comme ça. Hein. Alpha passe au niveau X4. Ok. J'adore, c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. C'est ce que j'attendais depuis des mois que j'avais précommandé le jeu, que j'attendais ça. Mais faut pas tirer, sinon on risque de perdre. Efficace. Ness sans bavure. Est au niveau inférieur. Allons libérer notre homme. Oh. Let's go. Ça a explosé. Je sais pas qui on libère. J'ai une théorie, c'est que ce serait Makarov, mais je vais éviter de dire n'importe quoi. C'est Makarov, c'est bel et bien lui.
Votre plan était parfait. Les plans dépendent de l'exécution. Ceci n'est que le début. À toutes les équipes, on l'a trouvé. On arrive dans 30. C'est un véritable honneur, commandant Makarov. 6 ans, 22 jours et 4 heures. C'est bon de vous voir, tous les deux. Ce que vous avez réussi depuis cette cellule n'est que la partie visible de l'iceberg. À toutes les unités ici, votre commandant Vladimir Makarov, indicatif leader Tsar 9-0. Je prends le contrôle. Lancez la phase 3 terminée. Suivez-moi. Donc c'est parti, on rejoue le même personnage du coup. Et là, on a Makarov. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de mini-mission avec Makarov en personnage depuis MW2, ça date. Oh, je me suis fait éliminer direct. Bien, le plus simple est mieux. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et du coup, là, il y aura les morts, hein. Ils vont mourir, hein. Parce que je connais pas le jeu. Oh là là, mais direct, c'est fou, ça. La difficulté, abusé. Il en reste un. C'est bon. Il avance direct, lui, hein. En vrai, c'est Makarov. Allez hop. Il me conseille le Lockwood, je prends le Lockwood, c'est bon, vous me prenez par les sentiments. Oh non! C'est dur, ok. Bien. Je comprends, c'est dur. Jusqu'à ce que ça ne me soit plus. Ah ouais, en une balle, t'es presque KO, quoi. T'es pas mort, mais... Ouais. Pas loin. On est pas mal, là. Là, on a un sniper que je prends, et on a un pompe que je prends aussi. C'est pas forcément la meilleure des choses pour le sniper, mais vas-y. Et... Oh! Excellent. C'est parti. Ah, on fait des exécutions. Il a eu peur, lui. Comment il a dû crier alors son crâne a explosé? Comment il a fait? Du coup là c'est les armes de Modern Warfare 3 qu'on a, on est en train de jouer les armes de Modern Warfare 3, hein. Tu auras dans le multijoueur, hein. Si tu veux. Échappez-vous avec Makarov. C'est parti. Dans l'ascenseur, leader en sécurité, préparez-vous pour l'exfiltration, compris. Reçu, attendez. Bravo est en mauvaise posture là. Je pense qu'on devrait attendre. Les prisonniers seront une diversion. Ça distraira les gardes. Il faudra en profiter. Attendre serait trop risqué. Oh là là. Qui détient le pouvoir dans ce goulag? Les gardes? Ou les prisonniers? Faut répondre? Hein? Alors, les gardes. Exact, André. J'allais me faire tuer sinon. J'allais me faire tuer pour très longtemps. Bien joué, Sada. Très bien, on va répondre aux correction. Avec moi. À toutes les unités, 10 mitrailleuses actives dans la tour de guet. Ça
C'est parti. J'ai un gros sniper, les gars. Lui, il a. Tire en cours, Fox. Gendarme. Impact, cible détruite. Wow, excellent. Est-ce qu'on peut changer d'arme, s'il vous plaît? C'est pas que c'est pas pratique, mais quand même, c'est pas ouf comme arme. Je vais quand même prendre ça, voilà. Ah, des snipers autour. Il est avec nous. C'est où qu'il faut aller? Échappez-vous avec ma carabine. Là-bas, d'accord. Oh, je prends. Toujours mieux. Très satisfaisant, je l'ai dit. J'adore l'HUD, voilà, l'HUD, je le kiffe. Oh, ça, je prends. Une nouvelle arme. Je vais voir si j'enlève ça. C'est... Oh, c'est moi qui fais ça? Non, ça m'était vrai. Mais waouh, c'était bien timé. Je me suis jeté comme ça. C'est là, hein. Ouais. C'est trop épique. Moi, Call of Duty savent comment nous impressionner. Hein. Vraiment. Oh là là. Oh. Comment il a voulu. Ah mais c'est mon pote là. C'est eux qu'il faut aller. C'est eux qu'il faut aller, les gars. J'ai échappé avec ma carabine, donc c'est là-bas, ok d'accord. C'était bien le bon endroit. En fait, fallait juste suivre le chemin. Sans s'arrêter. What? 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 Eux, je les reconnais bien. Oh, Ghost. Fidèle à lui-même. Price. Là, ils sont tous là. Ils sont tous. Watcher 1 pour Bravo 6. Watcher pour Bravo, à vous. Vous écoute, Laswell. John, Makarov est dehors. Répétez, Laswell. Makarov est dehors. Il s'est échappé, John. On annule. Faites demi-tour. Faites demi-tour tout de suite. En Ursixtan, c'est vrai qu'il y a eux aussi. Shadow 2, ici Leader Kilo, en position au port. Je te préviens quand j'ai la marchandise, attends mon signal. Bien reçu, Kilo. On est bon? Pour l'instant. Ça rebat les cartes. Pourvu qu'on n'ait pas à s'en servir. Établissez un périmètre. Très simple.
prie. Lina, Farah. Comment va ta mère? Elle se bat, comme toi. Viens. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Tes conteneurs sont sécurisés. Le port est désert, y a que nous. Et celui de Plaisance? Fermé depuis hier. Bien. Farah, ça ne me regarde pas, mais... Dis-moi. Cette cargaison doit être très importante. En effet. Ça fait des années. L'Ursikstan est à nouveau en paix. Nos vies ont repris leur cours. Je t'en supplie. Fais en sorte que ça ne change pas. D'accord? On est derrière toi. Oui, bien sûr. Les conteneurs sont rangés. Lina! Ici, écoute, Rampin. Troupe au contact. Le véhicule de Kilo est HF. Je répète, elle est pas morte. On se fait attaquer de tous les côtés. Merci. Garde la position. Peu à volonté. C'est une mission en train à volonté. Tu vois quelqu'un, tu lui tires le soutien. Ok. Peu à volonté, mission en combat ouvert. On c'est est quoi ça? C'est une mission style... Les colis, ils sont partout, commandante. Les missiles. Oh. Ils sont là pour les missiles. C'est une... C'est un ingénieux. Il me faut des armes. Cherche des conteneurs avec la cible de la Shadow. Tu trouveras tout ce qu'il faut pour combattre ce colis. Vous déplaciez autre chose que des missiles? En fait, c'est une mission style Warzone, en fait. Ok, faut aller là. Par contre, ouais, faut quand même aller là. Non, y'a un bug. Ok, c'est bon. Y'a souvent des bugs, en fait. En tout cas, on court vite. Là, je pense que c'est le déplacement du mode en ligne, du coup. Avec ce drone, j'aurai une meilleure visibilité. Bien vu. De monde ici. En fait, il y a plein d'ennemis là. Surtout là. Ah, ça approche de moi là-bas. Équipe-toi en vitesse, Kilo. Le temps presse. Ok. On a les ennemis qui sont notés là. Donc sur la map de la base, ils vont voir. On a les ennemis qui sont là. Il faut que je trouve des gens. Je suis devant le container. Reçu. Ce que t'as pris donnera un avantage, mais oublie pas que tu fais face à une armée d'ennemis. Il est hors de question que je laisse Connie repartir avec ses missiles. Merde, j'ai on va avoir besoin d'un plan de secours. Ok, j'ai des coups avancés. Il y a des traceurs GPS sur nos bateaux. Posez sur les missiles pour qu'on puisse suivre à la trace. Une arme secondaire. Je dois encore localiser les conteneurs. Lina aurait su où les trouver. Le manifeste doit être dans le bureau du capitaine de bord. La tour. Affirmatif. Bien sûr. C'est pas une mission guidée. C'est très très bien de faire ça. Ah, ils y sont plus. Bien joué, Kilo. Tire ennemi. Graves. Attends, les Graves. Ok, c'est mort. C'est bon. Je vais au cargo. Bien reçu. J'ai un drone explosif. Du C4 volant. Attention avec ça, ça déconne pas. Ça c'est très bien. Hein. Une armure. Ah,
Elle attaque. Les gars, ils vont alerter tout le port. C'est quoi le 4? Ok. Bon, allez, où? L'ennemi a envahi le bateau. Je peux pas monter sur le bateau d'ici. Tony a sûrement utilisé une poignée bloquante pour monter. Mais la rune va loin. Je suis sur le bateau. Les traceurs doivent être dans la salle de contrôle de la passerelle. C'est trop bien quand on va vite comme ça. Là. Je vais mettre à la couverte. Je cherche les traceurs. Va dans la passerelle et cherche les traceurs dans la salle de contrôle. Non, non. Oh, on va tellement vite, c'est abusé. C'est ça les déplacements? C'est ça les déplacements, c'est abusé. C'est très très bien. On n'a juste pas les hitmarkers pour savoir, mais sinon, c'est très très bien. Là, l'OST en fond aussi, elle a l'air excellente. Faut que je trouve les traceurs. Va dans la passerelle et cherche les traceurs dans la salle de contrôle. Ok, là-bas. C'est bien, il nous répète à chaque fois ce qu'il faut faire. Est en alerte, fais-toi discrète. Ok, oui, mais discrète avec des armes, pas silencieux. Ah, il m'entend. Tony, viens te chercher, Farah. Les traceurs sont quelque part. Va vers la passerelle et regarde dans la salle de contrôle. C'est vraiment une mission libre, je kiffe. Si on a deux ou trois dans le jeu, ce serait parfait. Mais pas trop, pas que ça. Ne faites pas un Call of Duty où il y a que ça, ça c'est pas bon. Faut que ça reste un Call of Duty. Juste quelques missions, là vous avez compris. Là, j'ai plus de la commande. Ouvre les traceurs. Va vers la passerelle et regarde dans la salle de contrôle. J'approche de la passerelle, les traceurs doivent être là. Ils devraient être bien en évidence, peut-être sur une table. Il y a un moment où il y a plein d'ennemis, on va se mettre en hauteur max et on prend la tourelle automatique. Traceur récupéré. Bien, dirige-toi vers la tour pour récupérer le manifeste. Oh, t'es toi. Là c'est le routier. Kilo pour Shadow 01, ils s'en vont avec l'un de nos containers. Merde, un missile de perdu. Dépêche-toi de poser les traceurs sur les autres. Oh, la musique elle est stressante. Donc on va avoir des ennemis un peu plus forts. Pour des armes plus fortes. Au pire. Атакуют с тыла!
Ouais, je vais prendre un normal. Pas une armure. Voilà. C'est quoi ça? C'est des lignes importantes. Je recharge. Avec juste une balle. Est-ce qu'un missile de croisière est nécessaire? À toi de me le dire. D'accord. Je crois que c'est Gaz qui me... Non, c'est Alex qui me... Je sais pas. Il est en train de tuer. Non, c'est pas là, du coup, attendez. Je cherche maintenant. Je crois que c'est à l'étage. C'est très stressant. Ouais, c'est encore plus à l'étage, donc je trouve les escaliers. Que je peux entrer au même endroit. Je sens pas que je suis en train de chercher. Fais pas de bruit. C'est grave. Oh. Au deuxième étage, je me dirige vers le bureau. Les capitaines de port sont organisés en général. Ça doit être sur le bureau. Ah, je crois qu'ils t'ont trouvé. Ah oui, bien sûr. On va les aimer à chaque coin de mur. Manifeste localisé. Reçu, je compare avec le numéro des conteneurs. C'est bon. Regarde les grues, ils sont peut-être en train d'en charger un autre. Oh. Fais vite, Kilo, le temps joue contre nous. D'accord. Ok. Les amis. Ils te traquent, cache-toi. Leader Kilo pour 3-1, comment ça se passe? On les repousse, mais ils envoient des renforts dans ta direction. Je m'en occupe. J'ai besoin de toi, Alex. Tiens, bon souffle. Toi aussi, Kilo. Écho terminé. Ok. Ok. Il faut que j'aille où? C'est quoi cet endroit? Faut que j'aille... C'est dans les endroits? C'est parti. On y va. On prend les deux points. Ouais, c'est par là-bas. Traîne pas, Farah. On doit découvrir où ces connards envoient nos missiles. Oui, oui, merci d'insulter, c'est très gentil. J'approche d'un conteneur de missiles. Tu fais ça. Bonjour. Voilà, j'ai quand même éclaté la porte. Ok. C'est ici. Le premier est en hauteur. Va falloir grimper. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Le tracé. Bien, au suivant maintenant. Faut pas s'arrêter. Juste les traceurs, pour ça, moi, si je suis prêt. Le groupe Conny plaisante pas. Ce sont nous celles qui les financent doivent péter de thunes. Elle est en effet. C'est un hélicoptère. Pourquoi j'ai lancé ça? Je te le confirme. C'était une distraction. Tout est calculé. N'écriez pas! Non.
Voilà. Il va aller la zone. Reste caché. C'est là-bas. Putain, j'ai fait une bagarre par ça. Là. Passe un traceur sur le conteneur de missiles dès que tu veux. Arme de malade. Je vais mourir même avec la ronde. Dites-moi que je recommence pas tout, s'il vous plaît, dites-moi que je recommence pas tout, c'est très long. Donc, finalement, c'est bien, mais c'est un peu chiant l'émission comme ça. Oh non, celui-là. Ok. C'est bon, fini. Comment ça commencer la mission? Ne te relâche pas, Kilo. Kony va pas nous faciliter la tâche. Ah, bon. Fais-en de même. Bon, pose les traceurs sur les missiles, Kilo. On doit pas perdre leurs traces. Elle est là, du coup, l'arme. Et du coup, c'est bien que j'ai l'arme. Kilo, je crois que l'ennemi te cherche. Je suis au courant. Oh, d'accord. Il a voulu me taper. C'est un peu long le entre chaque mort. Je bouge. C'est là, ok. C'est juste en face. Ah,
deuxième. Comment il a réussi à aller là, lui? Oh, cinématique, ok. On est sauvé, on a réussi. Let's. À toutes les unités, le dernier traceur est en place. Connie quitte le port avec les deux missiles. Bien reçu. Bon boulot, Farah. Tu as fait ce qu'il fallait. Echo, tu me reçois? 5 sur 5, Farah. Connie met les voiles. Ils ont ce qu'ils voulaient. On a survécu. Mais le combat n'est pas terminé. Echo pour Kilo, c'est dégagé? C'est bon. Tu peux venir. Reçu. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Tina. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. Je te le promets. Commandante. Nos missiles devaient être un moyen de dissuasion. La paix armée, comme on dit. La guerre revient toujours frapper ces terres. Elle n'est jamais partie. La Russie veut ce pays. Elle ne l'aura jamais. C'est quoi la suite? On traque ces containers. Alors je viens avec toi. Non. Occupe-toi de nos morts et préviens nos alliés. Les Russes sont de retour en Urzikstan. La Shadow Company a des intérêts là-dedans. Elle va vouloir participer. T'as raison. Mais je dois d'abord contacter quelqu'un d'autre. Milena. Contente de te voir. Vladimir. Tu nous as offert une armée. Une dépense juste. Pour la bonne cause. Mes camarades, nous voilà à nouveau réunis. Pour vos efforts en mon absence et le succès d'aujourd'hui, je vous dis merci. À un détail près. Ivan. En remettant en cause le bien fondé de mon plan, tu nous as fait perdre un temps précieux. Et le timing est crucial. Commandant, avec tout mon respect. Calme-toi. Il faut assumer ses erreurs. Tu ne crois pas? Andrei. Tu as été exemplaire. À présent, tu seras mon commandant en ce coin. Merci de votre confiance. Mes frères d'armes, même absents, je ne vous ai jamais abandonnés. Pendant ce temps, nos ennemis sont devenus plus forts. Le FLU a repris le contrôle de l'Urzikstan. L'heure est maintenant venue, pour nous, de leur montrer ce qu'est le véritable pouvoir. Nous sommes dans une guerre d'illusions. Le mensonge se dresse là où la vérité se recroqueville. Quand on contrôle ce que pensent les gens, on contrôle le monde. C'est ça, notre meilleure arme. Et notre instrument de prédilection pour restaurer la gloire de la Russie. La vraie Russie! L'Occident ne jure que par le choix. Il n'aura qu'une option. Se soumettre à nos propres conditions. Chaque seconde compte. Après son évasion, Makarov a mobilisé son armée sur plusieurs fronts. Le groupe Connie a attaqué le port d'Urzikstan avant l'aube. Farah y était. Elle est blessée? Négatif. Son équipe a riposté et subi des pertes. Autant dire qu'elle a pas épargné Connie. Bien joué, Farah. Il cherchait quoi au port? Une cargaison de missiles américains. Connie possède ses propres missiles. Pourquoi Makarov voudrait cela? Va falloir le découvrir. J'essaie de les retrouver dès que j'aurai une position pour y aller. Vous avez dit plusieurs fronts, Laswell. Donnez-nous une cible.
Le groupe Kony se dirige vers une centrale nucléaire d'Urzikstan en ce moment même. Elle est encore active ? Elle a été abandonnée à la chute de Barkov. Il y a quoi là-bas ? Vous quatre, dès que possible. Reçu. Ghost et moi nettoyons les lieux. Soap et gaz sécurisons le périmètre. Si Makarov se lance dans le nucléaire, on doit à tout prix l'arrêter. D'accord, bien reçu. Allez, on y va, bravo. Eh bien, ce sera au prochain épisode, je sais, désolé les amis, je vous coupe en plein milieu de l'action à chaque fois. Donc les gars, le Let's Play de Call of Duty Modern Warfare 3, épisode 1, est officiellement terminé. Je ferai la suite, donc le Let's Play sur Call of Duty Modern Warfare 3, épisode 2, mission réacteur, difficulté commando. Et voilà, c'est tout pour moi, c'était la Torre, je vous dis ciao.